ça me donne un background. Premier grief qu'on a pour un convictement. C'est un gars qui avait été mis dehors pour des raisons politiques. On plaide le cas, on le gagne. Réintégration, ça avait pris un an. Réintégration. Le gars, compensation de salaire, 3000 pièces. C'est en 66, 67. On dit, on va te faire un push de publicité avec ça. Premier cas, on le gagne. On dit au gars, il faudrait ta photo, on mettrait ça sur le journal. Il ne voulait pas. Il pensait que c'était par humilité. Fouille un petit peu, tout à coup le gars me dit, allez, il dit, écoute, il dit, je suis divorcé. Je suis obligé de payer une pension alimentaire. Puis je veux changer de chambre. Alors il dit, si ça sort, je perds mon 3000 pièces et ma femme ne va pas l'avoir. Il préférait changer de chambre que de faire de la publicité pour ça. Oui, est-ce qu'il y a de l'âme, il y a de l'âme. Il y en a un autre. Un autre chef fonctionnaire. Le président de section. Travaux publics. Congédié pour vol. Vol de bois. Alors, pour les ponceaux, etc., il achetait le bois. Congédié. Viens me voir. Il voulait faire un grief. Un petit peu maudit. Je commençais par un voleur. T'sais. Je lui explique ça. Il dit ouais. Ben, il faut en avoir un autre. Correct. Il dit, je ne pas de crier pour aller avoir un autre. Il dit, oui, t'es sûr? Ben, il dit, je vais l'emporter sur le surintendant, puis je vais l'emporter ailleurs. Alors, il a où, Chadia? Il m'avait raconté, hein, dans le temps, la voirie achetait 100 000 pieds de bois. Plus bas offrant, la plus basse soumission. Seulement, il n'y avait personne qui checkait. S'il y en avait 100 000 délivrés, il y en a 90 000. Alors ça, ces affaires-là, là, c'est pas les tribunaux qui peuvent régler ça. Hein. C'est la force des partis, la relation.